Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour partout où vous êtes. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Je suis là pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile que je vais vous prêcher est intitulé Tous les apôtres de Jésus-Christ sont décédés. Aucun serviteur de Dieu ne peut être appelé apôtre. Ndekonanga na lobili susu. Tous les apôtres de Jésus-Christ sont décédés. Nandenge toujours travaillé, mutumoko bako benga ya apôtre te. Alors tokota la makomi. Je vous ai toujours dit que les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. La Bible est stricte. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manquait la connaissance. Ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause de Satan ou des sorciers. Non. Uniquement par manque de connaissance. Bananzambe, tokota na ba verset biblique. Ce qui yo lingi ko contester, c'est la verset biblique. Poto aider bananzambe. Ko contester te posa faux apôtre. Ko contester te parce que osa fanatique y apôtre. Ko contester te po mobile na yo aza apôtre. Na moya lelo, mutu nyonso oba bengi apôtre, c'est un faux apôtre. Aza faux apôtre. Les apôtres sont des gens qui ont marché avec Jésus-Christ. Les apôtres sont des gens qui ont mangé avec Jésus-Christ. Les apôtres sont des gens qui ont suivi les enseignements de Jésus-Christ avec lui-même physiquement. C'est tout. La Bible, oyo, l'église primitive, tu vas bénir un apôtre, basati. Ce qui va bénir apôtre, cela veut dire que Azalaka parmi les 70 disciples ou bien parmi les apôtres, oyo, ou va commis awa. Allo Bandeko, parlons maintenant qui est apôtre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vivons en conformité de la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, 28. Dans 1 Corinthiens 12, 28. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Premièrement, des apôtres. C'est-à-dire, oyo, bazaki na ye, oyo, banako suivre, banseignement na ye, oyo ye moko aponaki ke, ba, oye moko aponaki, il a choisi, alors yo, oyo de baza ba apôtre. Ye moko Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament, le titre d'apôtre s'applique d'abord aux douze dans leur fonction particulière. Mes chers frères et sœurs,
Lisons dans Matthieu 10, dans l'évangile de Matthieu 10, verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. 1. Simon, appelé Pierre. 2. André. 3. Jacques. 4. Jean. 5. Philippe. 6. Barthélemy. 7. Thomas. 8. Thaddée. 9. Matthieu. 10. Jacques. 11. Simon, le Cananité. 12. Judas d'Iscariot, celui qui livra Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, parmi tous les noms d'apôtre Mutombo n'existent pas. Naba kombo nyo son apesibino, kombo ya Mutombo ou Mukendi ou Kabamba, ezate. Bakombo wana tangi awa, bakombo wana ezate. Ils ont été choisis par Jésus-Christ dès le début de son ministère et c'est lui-même qui leur a donné leur titre. Deko, moutou apese bango titre wana. Moutou moussousouté. Yemo Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Luc souligne que la désignation de Matthias pour remplacer Judas découle elle aussi du choix du Seigneur Jésus-Christ. Voilà dans la Bible, on a besoin de parler de quoi? Parce que nous avons se baser dans le verset biblique. Nous avons besoin de parler de quoi? Nous avons pas nous soustraire. Nous avons besoin de verset biblique. Luc souligne que la désignation de Matthias pour remplacer Judas découle elle aussi du choix du Seigneur, Actes des Apôtres 1, versets 24 à 26. Lik azoloba, poba pona, Matthias a remplacé Jésus-Christ, a remplacé Judas. Parce que batikala ki 11. Mais il faut bazonga susu 12. Alors, tozo tanga yango na Actes des Apôtres 1, 24 à 26. Actes des Apôtres 1, 24 à 26. Bon, landa boyo kanga bandeko. Je lis au nom de Jésus-Christ, verset 24. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. 26. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. À s'associer, na 11 apôtres, bazongi 12. Et je tiens à vous préciser que, ba oyoyo, avant ba sera tirage au sort, avant ba zoaba onko ba candidat, ils étaient parmi les 70 disciples. Bah, ok, n'est pas vous soutenir. Ils étaient parmi les 70 disciples. Bandeko. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, apôtre Jacques de Zébédée, ou Jacques le Majeur, les frères de l'apôtre Jean fit mourir par le roi Hérode
Actes des apôtres 12, 1 à 12. Ce qui peut possibilité à lire, tu peux vous tanga yango. Actes des apôtres 12. Voilà. Actes des apôtres 12, 1 à 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Jésus-Christ a yebaki kalate Jacques Baboumaye. Alors, Atali a kozwa moutou a kou remplacer Jacques kozra nani. Parce que ma wazon a sou 11 et kozra nani. A yé kotala parmi ba pharisien. Tozan a moutou moko a banako persécuter les croyants de la nouvelle alliance. Mais moutou ango a tanga mingi pe azana liloba. Mais liloba o yazaki na yango ya bisote ya Moïse. Azaki déjà mouton liloba. Alors Jésus a écouté la vie. Non, il faut na joye azana estirman na biso. Parce que Jésus va venir critiquer, mais comment yem to azaki doté de sagesse, d'intelligence, de beaucoup de sagesse, mais a kende ko tambolaka na ba pécheur o baza ma yelete. Alors Jésus cette fois-ci a tali abino, fona zomto atanga. Ndeko, pour na kozala pasteur, il faut tanga. Pour na kozala pasteur ko, il faut tanga. Soko tanga te, tika la frère ou bien diacre. Soko tanga te. Parce que okuta na ba parabole, oyeba ko prêcher monté. Yangona bandi kubomona kabo kendi na ba église na bino ba apôtre ba to des gens qui se disent qui se proclament être apôtre mais okendi kuna akwa ko prêcher parabole te or qu'un apôtre il faut prêcher parabole mais tant okendi pa na bino akwa ko prêcher parabole te banda ko to na église ona apôtre ali mais jamais besoin parabole alors bandi ko to uti ko tanga na Actes des apôtres 12 1 à 2 ndike ba bomaka apôtre Jacques, premier apôtre Baboma, Isa apôtre Jacques. Je ne parle pas des suicides, il y a Jida. Voilà. Alors, conversion, il y a apôtre Paul. Na, acte des apôtres 9 et à 9. Ce qui est dans acte des apôtres 1. Chapitre 1, verset 1 à 9, on a une conversion et apôtre Paul. Paul a se convertir. Nenge va koutana na Damas. Tout ça, ils en a katiwana. Alors, mais tant ou apôtre Paul, ma joie qui est, maintenant qu'il y a Barnabas a qui ou talaye, nenge a zoko prêché, il était toujours assisté. Jamais il y a un nouveau converti au bani maman au outil sur le wapi, maman nous prêcher parole sans que ba assister yo. Il sera raté. Mes chers frères et sœurs, je le répète que les Écritures nous enseignent que le peuple de Dieu souffrira et sera amené à captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. La Bible est claire que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce verset biblique ne dit pas que le peuple est détruit à cause de Satan le diable. Non, uniquement par manque de connaissance. Neko, Luka oye baliloba. Luka oye baliloba. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Quelle que soit la personne qui l'enseigne, mais cette opposition doit être faite dans l'amour, avec douceur, mais avec fermeté. Paul donne à Timothée quelques conseils. 1 Timothée 5:1. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Jésus-Christ a averti à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens et des sadducéens. Mauvais enseignement, de fausses doctrines. Paul nous rappelle dans Galates 5, 9 les conséquences tragiques de fausses doctrines en disant un peu de levain fait lever la pâte. Mais c'est toujours Paul frappe à ceux qui s'attachent à un autre évangile. Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Tant que yo, aujourd'hui nous sommes pas un mouton yo, ma bengi apôtre, ils ont ce évangile à bisoter. A quoi le banayo non, ma apôtre, basa bateau, ma banayo sur l'église. Mais oui, basa qui est Jésus Christ. Basa qui est Jésus Christ. Toujours qu'il est toujours. Alors, Baneko Paul a créé toujours évangéliste. Non, pas Paul, Saul. A créé toujours évangéliste. A ça qu'on évangélisait. A ça qu'on assistait. Na Barnabas et ainsi de suite. Alors, na Actes des Apôtres 13, verset 9. Okoya komona, komo ya Saul et Longwe. A juste koyo, non chrétien. Baneko Bengaye, apôtre Paul. À partir de 13, avec les apôtres 13, 9. Mais avant cela, Azala est toujours considéré comme un évangéliste. Peut-être que l'on a un serviteur de Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on est apôtre? Pourquoi est-ce qu'on est pasteur? Pourquoi est-ce qu'on est prophète? Pour qu'on soit influencé par Nzambe. Pour moi, dans un moment, non, apôtre à l'équi, à Zalikolo. Donc, Paul, Saul, a commis apôtre Paul à partir de l'acte des apôtres 13, verset 9. Bon, mon apôtre, combo ya Saul et disparaître. Tina souka koufa qui va me baigner sous Saul, te va baigner sous Paul. Messieurs, frères et sœurs, Paul se présente comme apôtre des païens, alors que les douze sont apôtre des Juifs. Et mais pourquoi? Alors, tout en gango, dans Galates 2, 7 à 10. Yango, je lis au nom de Jésus-Christ. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Cephas et Jean, quand on dit Jacques, Balobi Cephas, Cephas et Pierre, Cephas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et vers les circoncis. Disent, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu de faire. Alors, Bandeko. Paul se présente comme apôtre des païens, alors que les douze sont apôtres des Juifs. Mais pourquoi? Parce qu'il n'avait accompagné Jésus pendant son ministère. Paul a vu son apostolat contesté et pourtant a été enseigné directement par Jésus-Christ. Paul va enseigner qui est dans notre société. Mais dans Jésus-Christ, vous vérifiez, on a Galates 1. 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. À ça qu'on le parle clairement. Nous t'enseignons la parole. Et ça, nous t'avons qu'ilité. Mais nous t'enseignons la parole. Et ça, il y a beaucoup de Jésus-Christ. Oyo, enseignant qui paye, va apôtre. Parce que l'on a eu. Alors, si quoi, yo,
outi kozwa titre ya apôtre outi zongwa bazoko sabino o bato yo basalaka ba bafondaka ba église ba bengaka bango ba apôtre mais oui ba apôtre o ya Jésus-Christ o ya yote ndeko tozo kende alors tozo tanga na 1 Corinthiens 15 9 1 Corinthiens 15 9 car je lis au nom de Jésus-Christ car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 3. Galates 1, 13 à 14. Philippiens 3, 6. 1 Timothée 1, 13. À Mésira, son privilège d'avoir rencontré le Seigneur face à face, Paul est soudain rempli d'un sentiment d'indignité. Il se souvient qu'il a persécuté l'église de Dieu. Paul se souvient qu'il a persécuté l'église de Dieu. Et malgré cela, le Seigneur l'a appelé à être apôtre. C'est pourquoi il se prosterne dans la poussière et se désigne comme le moindre des apôtres, pas même digne d'être appelé apôtre. L'apôtre s'empresse toutefois d'ajouter que c'est par la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il est. Il n'accepte pas cette grâce comme allant de soi. Elle lui impose des obligations. C'est pour cela qu'il a travaillé inlassablement au service de celui qu'il a sauvé. Ce n'était pourtant pas lui-même qui travaillait, mais la grâce de Dieu qui était avec lui. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, selon la tradition, Andronicus et Junia, qui ont été appelés apôtres par l'apôtre Paul, ont fait partie des 70 disciples envoyés par Jésus-Christ. Romains 16 et 7. Mes chers frères et sœurs, Paul, Tango Bandaki, Abaneko banga ba disciple oyo ba mona Jésus boye. Ba disciple oyo ba zalana Jésus Christ. Ba disciple oyo ba liana Jésus, ba tambolana Jésus, ba zwa ba sinema ya Jésus Christ physiquement. Apôtre Paul akutana ki na bango mibale oyo abengi bango ba apôtre. Parce que ils étaient parmi les 70 disciples. Allô, Bandeko. Tokotanga na Romains 16, 7. Romains 16, 7. Yango. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Saluez Andronicus et Judas, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Yoka deko. Batou nyos mi balé, Andronicus et Junia, ils étaient d'abord des disciples de Jésus-Christ. Alors, Yipona Paul, Moutou Oyo Azaki, disciple à Jésus-Christ, et qui a continué dans l'Iloba, il a baigné comme apôtre. Parce que, Yekoutou à mon âge, Baliana Jésus-Christ, Boyete, Batambula Jésus-Christ était.
Je suis allé tout à l'apôtre. Ah oui, mais bon, on se voit tout à l'aïe. On y a ça qui n'a rien. Mes chers frères et sœurs, les apôtres sont tous décédés. Je reprends. Un apôtre, c'est celui qui a marché avec Jésus-Christ, celui qui a mangé avec Jésus-Christ, celui qui a suivi les enseignements de Jésus-Christ physiquement. Oui. Alors, Bandeko, dans un exemple, il y Tozu Obama. Obama, tant qu'il y a qui est présidence, Obama a l'ouki pasteur. Hein? A l'ouki pasteur. A l'ouki apôtreté. Mais à l'ouki pasteur, mais apôtreté. Tomoni Trump. Trump, tant qu'il y a l'équipe dans la présidence, a l'ouki pasteur. Mais à l'ouki apôtreté. Mais pour n'y aller, alors que apôtre azali kolo ya pasteur na musika ba komi premièrement apôtre. Mais pourquoi ba président Obama na Trump na pas président nion son monde entier soit le prêter serment côté makamba nzambe alukaka mutu moko pasteur alukaka apôtre te. Alors bino bo répondre pour n'y aller. Mais parce que tous les apôtres sont décédés. Parce que bango ba yebi ke muto ya bengi apôtre aza mutu oyo aza kina Jésus-Christ mutu oyo alia kina mutu oyo alandeka sinema Jésus-Christ physiquement oyo ye moko Jésus-Christ aponi bon moni me Matthias lik aza ko souligner ngo ke même lik même Matthias aza ye moko Jésus-Christ mutu aponi a répondre bango na tirage au sort pandi kuna ngai. Alors apôtre Paul kutu mwato lo bango ya te parce que boyebi bino nyonso. Alors, pour n'avoir conduit à monde entier, ce qui a prêté serment dans la Bible, pour n'avoir apôtre, pardon, pour n'avoir pasteur, mais pourquoi pour n'avoir apôtre était? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi pour n'avoir apôtre était? Parce qu'il y a des apôtres qui sont en train de se faire, qui sont en train de se faire, qui sont en train de se faire. Ou ils sont en train de se faire, les apôtres, ce sont des farceurs, des aventuriers. La Bible est en train de serviteurs inutiles, des fontaines sans eau. Na vous pensez que nous avons versé un mot. Moi, par exemple, dans Matthieu 25-30, nous sommes dans 2 Pierre 2, je crois 17. Botalango, mais je vais le confirmer parce que après, on a prêché un prédicateur doit impérativement être un croyant né de nouveau. C'est un impératif. Un prédicateur, c'est un croyant. Il doit être impérativement un croyant né de nouveau. Et par définition, un chrétien, c'est un croyant né de nouveau. Alors, yo siko yo, to koti na ba verse. Na Bible awa. Apôtre Paul, abimisa moutou mon kote apôtre. Tous les apôtres, abimisa moutou mon kote apôtre. Tangou basali ba église primitive. Sou moumouni ba bengi moutou apôtre, c'est que azalaki disciple à Jésus Christ. Ba apôtre Paul ba koufi, ba tiki ba apôtre te. Apôtre nani Timothée, pasteur Timothée, pardon, batira ko benga ye jamais apôtre. Bako ko benga ye apôtre te soko zalaka na Jésus Christ te. Pasteur Timothée, ti akoufi pasteur, akoufi apôtre te. Donc, à part ba owana, na Bible oyo, mouto ba benga apôtre sa te. Na Bible oyo ko a part ba apôtre wana mutu ba benga apôtre asate o apôtre Timothée o apôtre pardon apôtre Timothée apôtre Mukendi Mutombo o mukuna te bazate awa bazate alors yo so ni contesté pananga nga attaque pasteur contesté na ba verset biblique so communique ça va ku poto ide ba peuple de Dieu ça la vidéo parce que ma vidéo c'est na le pamba. Ça la vidéo bimisa mutu na mona yo loba na tala ba verset oyo tie soki nga na zaina mo bungi za problème te to ide peuple de Dieu mais so nga za mo bungi te ko ya ko merder batute na ba verset ya lokuta
na ba verset ya lokuta ndebo kuma transformer makambo o muto ya sala kanini kwa funda ka église ba ben kayé apôtre d'accord mais awawa a part bango muso zate awawa a part ba apôtre to tangi les 12 oyo apôtre muso zate alors bandeko deuxième exemple mukomso zo tambula na moni ndeko moko boye abenga ami pasteur nazoya ayi pananga na bi pasteur biso za na seminaire awa menga na za awa taki apotre ngabi yo oza awa taki apotre bien ami pasteur yo za ka pasteur ngabi ami mais a Jésus pousse la pasteur ngabi lokola ya yo yo zo nga sima problème ya te ayi bo pasteur nga awa na za apotre ko benga te o frère ona ngai awa na za apotre ngabi mais ngai na yebi ke ba apotre yo so bakufa oyo nyonso bazotika longa ya apotre tout so baza pona ko influencer pona ko pona ko bangisa bana nzambe mais ba apotre balagate abina ngano pasteur wone za ba Matthieu Marc Luc Jean bango na nde mutu bakufa mais biso tozali na bina ye Marc na Matthieu Marc Luc Jean bazaki ba apotre abi ah pasteur boyo ebi ngote abi pourquoi il y a toujours tembe ba comment ça ça on tembe abi mais non yum to soko apprendre ngango abi alloko afongolinga awa pa ba kuma Matthieu Marc Luc na Jean to kabwani après ce qui si moi ce qui dit moi na ebisu te na mona ba mo abenga a pasteur ndeli ngabi abi a pasteur uza fo uza fo yo za ya mukoro na liloba so moni petit ya zana no azo tenga ma yo fo tena nzela jour wana il fallait insister que Marc na Luc bazala ka ba potrete ngabi oh. Mais yo ba camarade na yo oui ba ngote parce que ngaba za ba camarade na ngate mais yo ba za ba camarade na yo bongo ba kombo ba camarade na yo o ba zalaka ba potre na o ba za ba potre te yo ibina ngote abia pasta ngabi ke no tanga na Matthieu 10 de o ngona ba kombo na bongo se zawana kombo ba Marc na Luc zawana te a pasta we bi na tanga kyango deja ba expliquer ngabi we bi ke revesa ki we bi ke revesa ki ngabi me tango zo kende na mayu ya na makamanzambe tant vous êtes déterminé ya ko baby sa bana nzambe ngai soki na za combati bino bato landa biso tant ngana za ka combati bino bozo ka ona angle mususu bozo ka ngondenge bato ngo balobila kango ebituma molimo na ko bila mino ko mususu ebituma ya molimo bango bazo mona nini poto bundisa ye bayebi bayebi me yo sikozo zo mona mususu bana nzambe merci vraiment de votre patience ndenge bolandinga nzambe vraiment apambo na bino